vin devient tout raide. Je priais tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Et jusqu'à quand vous supporterai-je? Amène-le-moi. On le lui amena. Aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?»« Dès son enfance, répondit-il. » Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. « Mais si tu peux, quelque chose vient à mon secours. Aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et les dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint tout mort, comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne sort que par la prière. » Maintenant, nous assoyons en face au texte que nous t'ai abordé matin, mais nous t'ai abordé dans le contexte de Matthieu chapitre 12. Mais il y a une certaine liaison qui existait entre Matthieu chapitre 12 à partir du verset 43 et ce texte. Pour qui ça? À cause, ça Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 12 là, là, Jésus mettait en application dans Marc chapitre 9. Mais pour me mettre dans le contexte de ça, qui me saute l'IA, il faut que moi parler ensemble avec vous dans quelle façon Jésus-Christ va procéder à cette guérison. Premièrement, si nous croyons à ça, la Bible dit au départ du chapitre, il prend trois de ses disciples pour le faire vivre une expérience spéciale. Dans ce cas-ci, Jésus était sélectif. Parmi ces 12, il choisit 3. Sous quel critère qu'il choisit 3, nous pas qu'à dire. Mais un seul bagage nous connaît, ces 3 disciples qu'il te choisit, ou 3 apôtres, plus tard, c'est eux-mêmes qui prennent le pilier l'église là. En quelque sorte, Jésus-Christ a un yeux spécial sur eux. Là, Jésus-Christ prend ces 3 messieurs, les monter sur la montagne de la transfiguration. À ce sujet, Matthieu 17 est beaucoup plus explicite. L'année est arrivée, il y a eu Jésus dans un entretien profond avec 2 personnes. Ces 2 personnes, c'est Moïse avec Élie. Et que théologiens ont fait comprendre que ce n'est pas au hasard que ces 2 personnes s'entretenaient avec Jésus-Christ. C'est parce qu'ils ont symbolisé, de manière eschatologique, ils ont symbolisé l'enlèvement. Élie qui symbolisait le monde qui n'a pas mouru et qui prend le monter tout vivant. Moïse qui symbolisait le monde qui mourit. Mais le seul bagaille que je connais, malgré tout ça que je dis, c'est que l'expérience que nous avons vécue là est une expérience spéciale. Parce que Jésus-Christ transfiguré complètement devant monsieur. Et dans ce moment de gloire, nous avons demandé pour ne pas quitter lieu. Nous avons demandé pour bâtir 3 tentes.
Parce que jusqu'à présent, n'est-ce pas qu'on connaît vraiment qui est-ce qui Jésus a. Parce que Jésus pas venu faire une expérience durable ensemble avec eux. Mais il vient faire vivre une certaine expérience. Parce que plus tard, dans Matthieu chapitre 26, Jésus-Christ parle prendre ces trois messieurs. Au lieu qu'il prend faire expérience de la gloire, il prend faire expérience de Jésus qui a agonisé. Agonisé dans le sens que l'aile est arrivée pour lui livrer lui. Le poids du péché de l'humanité tellement puissant sur lui-même. Jésus pas capable d'aller sans pas la prière et au témoin que je t'ai agonisé. Dans ce contexte, Jésus montrait deux bagailles. Tout homme de Dieu, tout serviteur de Dieu, il y a des moments dans la vie où il y a la gloire. Côté manifestation, présence de Dieu a fait dans la vie. Mais il y a des moments dans la vie aussi où il y a la souffrance. Il y a un seul bagaille pour qu'on ait, code dans la gloire, code dans la souffrance, arrangé pour la volonté de Dieu. Pour ne pas avoir une gloire passagère, ni pour souffrance ça, il va falloir quitter présence de Dieu. Et Jésus-Christ, il a une leçon de leadership aussi. Parce qu'à Gethsémané, n'est-ce pas demandé Jésus-Christ pour bâtir trois tentes. Parce que n'est-ce pas dormi à cause du combat spirituel qui t'a mené dans le monde invisible. Mais malgré n'est-ce pas demandé Jésus-Christ pour bâtir trois tentes, Jésus-Christ n'a pas répondu. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour faire n'est-ce pas vivre une expérience durable. Et le Père qui est dans le ciel là, qui sentit n'est-ce pas beaucoup plus attaché à événement, mais pas à Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 5, dans Matthieu chapitre 17, dis-je, dans le verset 5, il dit Négio, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. En quelque sorte, il veut venir qu'on comprenne que préférer écouter Jésus-Christ que nous vivre un petit moment de gloire. Parce que si nous écoutons Jésus-Christ, n'a marché de gloire en gloire, de victoire en victoire. Parce que lors coûte Jésus-Christ, eh bien, la bord des indications, même lorsque ou en souffrance, ou prendre la gloire, parce que l'a expliqué comment, dans mettre en souffrance, tant pour qu'à gérer souffrance, douleur, tribulation et problème. Après ça, nous avons fait une vive expérience ça. Il y a un papa qui mène un petit lien par les 9 autres apôtres qui sont au pied de la montagne. Regardez, dans Matthieu chapitre 10, ou bien dans Luc chapitre 9, ou bien dans Luc chapitre 10, verset 1er, ou Luc chapitre 9, verset 1er, Jésus-Christ a le pouvoir pour chasser des démons. Il n'est pas spécifié. Parce qu'il dit, Jésus assembla les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Il va préciser si c'est Pierre, c'est Jacques, les gens, c'est tout le monde. Mais la grande commission, dans Luc chapitre 10, dans le verset 17, il dit, Seigneur, les démons même nous ont été soumis. Nous-mêmes, nous avons été soumis en ton nom. Nego dit ça. Mais cette fois-ci, Nego devant le cas, il n'y a pas qu'à gérer. Ça qui passe. Est-ce que présence mon Dieu dans la vie ou son présence passagère? Ou bien présence mon Dieu dans la vie ou son bagaille pour nourrir? Son work fait aujourd'hui, pendant présence mon Dieu dans la vie ou, c'est pour continuer le travail ou nourrir. Pour qu'à permettre que ça va faire, au lieu pour faire 10, pour qu'à pas faire 20 encore. N'est-ce pas capable? Heureusement, Père, Papa, a eu patience pour te retendre Jésus-Christ descendre. Il a eu patience. Alors, lorsque les Jésus-Christ descendent, il y
Yo dit papa al joindre Jésus-Christ. Et puis il expliquait car mais grand bagaille que papa dit Jésus-Christ. Il dit Jésus-Christ, si tu peux, sous capable. En quelque sorte, papa a un certain doute de capacité de Jésus-Christ. Qui en fait douter, ne pas connaître. Mais elle doutait. Ça fait comme content à soi. On peut obliger plein de foi pour bon Dieu agir pour. On peut obliger croire. On peut obliger fully loaded pour bon Dieu agir pour même. Avec le peu de foi, que les circonstances de la vie, le fait qu'on l'en proximité de Jésus-Christ, c'est ça qui compte. Que les circonstances de la vie, le fait qu'on devant Jésus-Christ, c'est ça qui compte. Pendant qu'on devant Jésus-Christ, là, pas aucune analyse qu'a faite, est-ce qu'on a la foi ou pas, ça est beaucoup plus important ou en bonne position. Après qu'il y a une analyse qui fait, est-ce que tu as la foi ou pas? Mais ça qui est beaucoup plus important, dans le moment ça, ou devant Jésus. Et ça qui fait dans le parcours de la vie, le seul bagage qu'on a besoin, c'est qu'on est en bonne position ou devant Jésus. Quel que soit état, quelle que soit condition, assuré, événement qu'a fait, de circonstances qu'a produit, Jésus-Christ à proximité. Parce que Jésus-Christ a porté une correction dans la vie en claquant les doigts. Jésus-Christ a porté une correction dans l'état de foi en claquant les doigts. Parce que sur la croix, il y a un brigand qui croit en Jésus-Christ et puis il dit aujourd'hui même. Ou bien là, il y a un pensé pendant Christ sur la croix. Il t'a dit ça parce que nèg qui est de bon côté là, tu as parlé mal. Mais il y a un qui inspiré par le Saint-Esprit. Qui parlait bien, Jésus-Christ dit aujourd'hui même. Et ça fait, même si la vie, ou même si on a une vie qui n'est pas correcte, il est toujours bon pour l'église. Si tu as suspect bon monde qui va mener la vie bien, et bien d'ailleurs, pour mettre le dehors l'église, non? Quitte le retent dans l'église. Là. Il va dire pour dire, moi excommunié, mets-toi dehors, prends patience avec elle. Elle a rencontré Jésus-Christ, la vie l'a changé. Prends patience avec elle. Donc, circonstance qu'a fait connaît que Jésus-Christ qu'on délivré. Et ça fait, il y a des gens qui mettent les gens dehors l'église, c'est plus gros mal qu'on est capable de faire pour qui ça. Parce que l'opposition, on va connaître qu'il est la ville qui a changé. On va connaître qu'il est. Bon Dieu qui a fait une intervention, il a changé la ville. Donc à cause de cela, quittez là. Monsieur incrédule, il est tellement incrédule, son insulte pour Jésus-Christ, pour dire Jésus-Christ sous-capable. Gloire à Jésus-Christ. Son insulte. Parce que lorsqu'on peut dire Jésus-Christ sous-capable, en quelque sorte, ou pas quoi dans la capacité de Jésus-Christ, sauf fait là. Il y a un peu de monde qui est dans l'église qui ne croit pas dans la capacité de Jésus-Christ, mais il est là pareil. Quand il y a un événement qui peut faire croire. Quand il y a une circonstance qui peut faire croire. Quand il y a un pour qu'il tout coller, et puis pour c'est Jésus-Christ qui met au dehors. Ou il croit quand même. Parce que quand côté Jésus-Christ a mené, ou il est obligé de croire. Parce que côté l'a mené, il n'y a pas de monde qui peut mettre au dehors, c'est Jésus-Christ seulement. Là. Jésus-Christ dit, monsieur, mais, ou dit, si tu peux. Jésus-Christ dit, tout est possible à celui qui croit. Regardez, Jésus-Christ pas retourner conversation en souli, non. Il le fait, monsieur, si vous croyez ou même. Et pas si vous êtes capable, non. Et si vous croyez ou même. Parce que ça ne va pas empêcher que magie, c'est manque de foi. Mais si vous croyez ou même, moi capable de faire quelque chose. Je dis à l'église, pas qu'à tester la capacité de Christ. Parce que Christ pouvait ça le café déjà. Gloire à Jésus. Je dis à nous, pas qu'à dire, est-ce que l'évangile puissant, l'évangile pouvait ça le café. Je dis à nous, qu'à poser la question, est-ce qu'on a assez de foi pour nous croire à Jésus-Christ qui a fait quelque chose. Gloire à Jésus. Je dis à c'est pour nous poser la question, est-ce que nous avons assez de foi pour nous croire que Jésus-Christ a fait quelque chose. Parce que depuis nous arrivons dans la dimension de la foi, qu'on y a ça nous réaliser, il y a un pile de monde qui recule. La question du surnaturel, il n'est pas si tu es dans l'église encore.
nous plus croire dans des choses qui matérielles, qui n'ont pas de rapport avec bon Dieu encore. Alors ce que je dis, incapacité l'évangile, ce n'est pas l'évangile, mais c'est nous-mêmes. Gloire, je me sens présent Saint-Esprit. Alors que à soi, chaque famille n'a pas qu'à opérer dans l'église, c'est parce que c'est pas parce que l'évangile l'a perdu force, non, c'est nous-mêmes qui retirons dans la foi que bon Dieu me donne. Parce que dans Romains 1er, verset 16, l'apôtre Paul dit l'évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Une puissance. Gloire à Jésus-Christ. Il dit une puissance. Il dit une puissance pour le salut de quiconque croit. Ça veut dire l'évangile là en lui-même, son puissance qu'elle est. Mais est-ce qu'on croit, je dis, que puissance ça, lui qui a manifesté dans la vie? Est-ce qu'on croit, je dis, que puissance ça, lui qui a chassé de mort, lui qui a guéri malade, ça sont l'autre paire de manches. L'autre paire de manches. Qui veut dire foi qu'on gagne? Qui s'en croit? Mais qui s'en croyait? Et ça fait l'apôtre Paul parler. Dans Romains chapitre 12, dans le verset 3, l'apôtre Paul parlait de mesure de foi. Il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de nous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revertir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Comme mesure de foi que bon Dieu distribue là, il y a la foi dans la place là. Parce que nous ne pouvons pas réunir pour nous citer le nom de Jésus-Christ pour la foi pas présente. Voir à Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas chanter la gloire de Dieu pour la foi pas présente. Parce que depuis ce côté non Christ a cité la foi, bon Dieu départit une mesure de foi. Il y a un détachement de foi fait dans le ciel là. Parce que dans Romains 10, 17, il dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, gloire à Jésus-Christ, vient de la parole de Dieu. Qui s'entend de Jotia? M'attendez des choses, m'a dit Granon. M'attendez des choses, mon cap. M'attendez que Jésus-Christ qu'on guérit. M'attendez que Jésus-Christ qu'on chasse des morts. Ça suffit, Jotia, pour croire que Jésus-Christ qui a fait miracle. Gloire à Jésus-Christ. Qu'est-ce que mon cap avec moi là? Qui s'entend de vous, vous là, vous tendez Jésus-Christ qui a fait des choses extraordinaires. Mais pour qui raison? Je suis là malade pour croire que Jésus-Christ a guéri. Pour qui raison? Je suis là persécuté pour croire que Jésus-Christ a retiré dans l'état de persécution. Pour qui ça? C'est parce que j'ai un manque de disposition personnelle, non seulement pour nous tendre des paroles là, mais pour nous croire dans ça Jésus-Christ a dit. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ils ont entendu à soi. Nous venons en place de théâtre. Nous venons en place côté de non-Jésus-Christ absité. Et la Bible dit au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchi. Par contre, ça a campé là. Maladie qui a campé là. Mais place n'est pas là. Puissance démoniaque qui a campé là. Mais place n'est pas là. Pouvoir maléfique qui a campé là, mais place n'est pas là. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Gloire à Jésus-Christ dans sa tête. Regardez-moi, sens une présence pour dans la salle. Attendez. La gloire de Dieu a manifesté dans la salle là. Moi, je sens qu'il y a quelque chose que mon Dieu commence à mouvementer dans la salle là. Kounia. Et chose ça a mouvementé dans la salle là, lui répond dans YouTube, lui répond dans Facebook. Il possible, gloire à Jésus-Christ, regardez. Il possible à soi, qui s'entendait. Est-ce qu'on est prêt pour répondre à ça, entendez, pour qu'à quitter la foi, fonctionner en dans salle là. Dans le livre de Luc, chapitre 13, à partir du verset 6, il dit Jésus-Christ entraîne en synagogue. Côté la parole, à partir du verset 10, côté la parole à prononcer à chaque jour. La pensée dans une synagogue le jour du sabbat. Gloire à Jésus-Christ. Il dit, et voici, il y a une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Tout le monde croit que l'infirmité, ça, c'est un bagage qui est normal. Il commence grand monde. Il y a une courbature. C'est un bagage qui est normal, mais c'est grand l'esprit d'elle. Depuis 18 ans, femme, ça marche coupé. Depuis 18 ans,
tout le monde a assisté ça. Tandis que la parole a prêché, Jésus-Christ, la parole a prononcé, il n'y a pas de monde qui est capable de comprendre cette situation là qui n'est pas normale. Comme à soi dans la salle là, il y a quelque situation qui n'est pas normale. Il y a des gens qui viennent là, qui tournent la caille, mais dans une situation qui n'est pas normale. Pendant que non Jésus-Christ a cité, pendant que Saint-Esprit là, nous acceptons pour ça qui n'est pas normal là, aller comme si c'était normal. Mais ma pose une question aujourd'hui, si la parole relâche, il faut qu'on une intervention spirituelle qui vous fait, qui vous libérer les qui pour chasser des morts, qui pour guérir malade, parce que nous ne venons là pour nous jouer au pièce théâtre, nous venons pour élever le nom de Jésus-Christ. Depuis 18 ans, il dit, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivré de ton infirmité. Mettez là pour moi. Le Jésus-Christ qui a des femmes, non, lui fait radiographie. Lui dit, infirmité, ça n'est pas normal. Gloire à Jésus-Christ. A me senti la présence de Dieu dans la salle ça qu'on y a. Depuis c'est ça qui n'est pas normal, qui a une apparence normale, nous chassons à soi dans le nom de Jésus-Christ. Depuis c'est ça qui vient sous forme, comme si pour n'accepter, moi pas accepter la soi. C'est pour disparaître dans la salle là, au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Depuis c'est ça qui paraît son visage à découvert. Ça dépend de qui j'en ai regardé. Ça dépend de qui j'en ai regardé. Jésus-Christ fait radiographie d'âme. Lorsqu'il la vit, il lui adressa la parole. Il dit, femme, tu es délivré de ton infirmité. Dans la situation, il y a son parole, aucun besoin. Ou pas besoin de l'autre parole. Ou besoin de seule parole. Une parole libératrice. Ou besoin de monde qui peut parler dans la vie. Alléluia, ou besoin de déclaration qui pour déraciner sa candeur là. Son parole ou bien besoin. Ou pas besoin d'argent, ou pas besoin l'autre bagage encore, ou besoin de monde qui pour parler et puis ça le dit qu'on impact spécial qui pour permettre la vie de délivrer. J'étais avec une jeune femme qui est venue ici. Jeune femme dans Vinicia, elle vient visiter l'église là. Je me rappelle très bien, mais il semblait son anglaise qu'elle était. Et puis après l'église, ils ont mené, viennent saluer nous. Moi-même avec Sœur Olguin, ils ont mené, ils viennent saluer nous. Pendant qu'ils ont mené, jeune femme, ils viennent saluer nous. Et puis nous sentis qu'il y a quelques bagailles qui ne pas aller bien. Parce que l'on a servi bon Dieu, il faut qu'en terre nous monter haut. Il y a quelques fréquences pour capable capter haut. La paix bon Dieu avait quelques fréquences, même s'il captait, caché pour capable capter. Gloire à Jésus-Christ, la paix bon Dieu avait. La paix bon Dieu avait. Et ma parole, avant de finir avec témoignage là, même pour me démontrer que fréquences dans le monde invisible, des fréquences. Parce que dans Luc chapitre 5, à partir du verset 17, dans Luc chapitre 5, à partir il dit, un jour Jésus enseignait, Jésus a enseigné. Il dit, les pharisiens, les docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de la Jérusalem. Ils ont venu pour entendre enseignement. Mais fréquence pas assez élevée. Parce que mon frère qui vient garder, mais qui n'a pas senti présence de Dieu. Et puis il dit, et la puissance de Dieu se manifestait par des guérisons. Jésus a enseigné. Mais ce n'est pas enseignement qui est important, non. Qu'on bagaille, qu'on fréquence de guérison qui est dans l'air là. La pensée, la petite, mais ça bon Dieu dit, la parole en Genèse, la parole là, la parole dans Nombre, la parole dans Esaïe, mais pendant la paléa, qu'on fréquence de guérison, qu'a voyagé dans le ciel là, qu'a voyagé dans l'espace là, n'a pas tant de belles paroles, et pourtant qu'une guérison qu'a faite. Parce que les bon Dieu ont côté, qu'il y a plusieurs réunions qu'a manifesté. Les bon Dieu ont côté, qu'il y a plusieurs manifestations qu'a faites, je dis. Mais est-ce qu'on a l'esprit de discernement pour qu'a capté ça qu'a fait là, sûrement côté nous y est là, pendant ma prêcher, guérison de guérison, guérison de délivrance, guérison de victoire, guérison que bon Dieu a manifesté, mais jusqu'à présent, pas qu'a accepté parce qu'on manquait pour qu'a capté ça qu'a fait là.
fréquence guérison tellement puissant. La Bible dit comme ça que un paralytique qui était couché la caille. Quatre nègres mettaient son brancard. Les rivières, je ne porte la fermée. Parce que mon dans l'église qui pas profiter de présence mon Dieu mais qui a bloqué. Que mon dans l'église qui pas accepter ça mon Dieu a fait mais qui bloqué. Mais faut qu'on intelligent frère. Faut qu'on persistant frère. C'est pas n'importe qui monde qui voulait mettre dehors pour sortir parce que le diable connaît très bien que délivrance c'est l'allié, il voulait pour pas qu'il vienne mais faut qu'on intelligence spirituelle. Faut qu'on intelligence qui renouvelle. Faut qu'on passe au monde qui fâché, qui a la colère à fleur de peau pour n'importe ça ou dire ou pour sentir offusqué. Que des fois, diable avoir un monde qui parle mal avant, même pour qu'on rende colérique, pour qu'on perdre présence, mon Dieu. Mat assoya, bon Dieu, mande m'boum d'où consacrer. C'est pour son monde qui est intelligent. Mande bon Dieu pour ouvrir intelligence spirituelle. Intelligence spirituelle. Je vais dire que je vais me choisir, s'il te plaît. La Bible fait comprendre que les barres et potes là, n'est que senti qu'on possibilité quand même. Potes la barre, c'est vrai. Si potes la barre physiquement, mais spirituellement, il y a moyen. Il m'a parlé à mon assoya qui sentit toute porte barre dans la vie. Mais là où est toute porte barre dans la vie, c'est sous genou pour descendre. C'est là qu'il y a une solution. C'est là qu'il y a une solution. Parce que là où est toute porte barrée de manière physique, de manière physique dans la vie, c'est parce que grand bagaille que bon Dieu prend le faire. Bon Dieu besoin d'attirer l'attention pour le capable fort qu'on est que si les hommes ferment les portes, ils me disent qu'on ouvre les portes. La paix, bon Dieu, on dit amen avec ma soeur. Est-ce qu'on avec là? Bon Dieu veut vous comprendre que si les hommes, parce que où ont pouvoir la main, où ont autorité la main, où ont capacité la main, où ont intelligence la main, bon Dieu investit dans vous déjà, gloire à Jésus-Christ, sa présence, mon Dieu. Dans Matthieu 16, dans le verset 19, dans Matthieu 16, 19, bon Dieu dit à Pierre, je vous donnerai les clés du royaume. Il dit, tout ce qui est marré sur la terre, la marée dans le ciel. Il dit, je te donnerai les clés du royaume. Tout ce que tu liras sur la terre sera délié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Regardez, qui est le texte sous écran pour moi. Bon Dieu n'a pas dit tout ce que tu lis dans les cieux. Non, il dit sur la terre d'abord. Faut action en fait d'abord sur la terre. La paix, bon Dieu, avant, bien le Seigneur. Bon Dieu, pour ça qu'a fait la commencer sur la terre. L'offre fait sur la terre, la résonance dans les lieux spirituels. Et ça fait que des bagailles pour faire, fait le bien sur la terre. Si elle a pris photo. Les anges là. Les Jacob d'ap courir. Les rencontrer anges là. Yo dit anges là qui ça vous fait. Yo descend. Non, yo monter, yo descend. Où est-ce arrivé là? Ça je pas descendre monter non. Yo monter, yo était à terre d'abord, yo monter, yo descend. Ça veut dire. Bon Dieu, attends nous agir. C'est pas si elle l'a poigé, avancer ou poigé. Nous mal comprendre la dynamique de l'évangile. Nous attendons que c'est bon Dieu qui peut agir d'abord. C'est nous qui poigé. C'est action qui peut le secouer ciel là. C'est action qui peut le faire ciel là agir. C'est pas si elle l'a agir avant, mais c'est action. La Bible dit, bye dimna à offrande là, église des cieux a ouvert. C'est pas église des cieux ouvert d'abord et puis vous bail dim non, c'est bail dim non bail offrande là, église des cieux a ouvert. La paix bon Dieu avec. Ça veut dire qu'il y a pile moun là, captain bon Dieu agit, mais c'est où bon Dieu captain? Ou captain ou action de Dieu, mais c'est où bon Dieu captain? Bon Dieu captain pour agir pour le backup. Bon Dieu captain pour faire action pour le backup. Parce que tout n'importe ce qu'on fait bon Dieu avec. Et c'est le monde qui est avec moi là, je dis.
Alors, au lieu qu'on chita, ou apprendre une action de Dieu, bon Dieu apprendre une action. Fais une action, bon Dieu backup. Prends une décision, bon Dieu backup. Parce que bon Dieu inspire. Gloire à Jésus-Christ ce matin. Allez, fais quelque chose. Bon Dieu backup aujourd'hui. Parce que bon Dieu inspire. Pas tant, c'est bon Dieu pour agir. Sous tant, c'est bon Dieu pour agir. Action, pas besoin de faire. Pendant Shedrak, Meshach et Abednego descendent dans la fournaise là. Ils prennent action pour danser. Pendant qu'ils dansent, les anges descendent. Si ils étaient inertes, si ils étaient sans action, les anges ne vont pas descendre. Je dis à des anges qui voulaient aller à la caille. Je dis à bon Dieu, va détacher des anges. Gloire à Jésus-Christ pour aller à la caille. Mais inertie, ou étaient sans stable. Fais bon Dieu pas qu'à agir. Est-ce que quelqu'un qui avec moi là aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un qui avec moi là aujourd'hui? Bon action pour faire attendre. Bon action pour faire attendre. Bon Dieu attend qu'on fasse action avant l'agir pour moi. Pendant que jeune fille entre l'église là, elle vient visiter, elle vient saluer pour aller l'église finie. Mais présence mon Dieu pas finie. Et puis la jeune fille a dit, nous avons vent fait mal. C'est elle qui n'a même, nous commençons à prier. Et puis là, nous gardons pour nous. J'ai jeune fille a viré tout l'envers. Et puis il commençait à faire des simagrées. Nous avons envoyé son mauvais esprit. Et puis là, nous posons mauvais esprit à question. Mauvais esprit a dit comme ça. C'est côté là l'église là, oui. Femme qui pasteur à bal bon bagay. Depuis le fin bon bagay là. Gon cramp qui l'envente li. Gon mauvais esprit occupé. La paix bon Dieu avec. Si diable la te connaît le patavoué la position ça. Mais bon Dieu dirige pas. La paix bon Dieu avec l'église. La paix bon Dieu avec. Et puis, seul qui n'a dit, m'a invente li. Pendant le m'a invente li, puis le vomi. Vomi le fin vomi, hein? Il retourne dans normal. Li. Il retourne dans normal. Li. Ma parole à comme on a soif pour me dire que bon Dieu, je m'en retard. L'église qui a fini, mais puissance, mon Dieu, là encore. Bénédiction qui a prononcé, mais puissance, mon Dieu, là encore. Nous prononçons bénédiction pour nous et pour nous, mais puissance, mon Dieu, dans la salle encore. Puissance, mon Dieu, dans la zone encore. Les bénédictions, alléluia. Nous voyons mon nakayo, mais bon Dieu toujours là. Et ça fait ouais que des fois bénédiction qu'on finit prononcer, c'est après bénédiction un grand miracle bon Dieu pour le faire. Pour bon Dieu qu'a démontré lui-même, il pas arrêté avec mon cabal outil espace pour fonctionner. Il a puissance, il a pouvoir pour agir dans n'importe qui moment. La paix bon Dieu avec. Bon Dieu bon Dieu protocolaire. Bon Dieu pas entrer dans quatre moun. Dans Luc 10, dans Luc 13 là, l'aime d'a parler ensemble avec vous. Dans le verset 12, mais qui est fâché pour ça Jésus-Christ faire. Il dit, femme, tu es délivrée. Dans le verset 13, il lui imposa la main. À l'instant, elle se redressera et glorifia Dieu. Gain gloire pour bail bon Dieu. Faut que son action soit faite dans la vie. Je dis ça encore, gon gloire pour bail bon Dieu. Ou gon louange en devant tout serré. Ça prend une intervention divine pour relâcher. Ça prend action de Dieu pour relâcher. Parce que bagaille là en haut qui serré. La Bible fait comprendre dans le livre de Luc, chapitre 1er, dans le verset 41. Dans le livre de Luc, chapitre 1er, dans le verset 41, il dit Élisabeth enceinte. Il fait 6 mois caché. Parce que frère, des fois, bon Dieu m'a demandé de vous faire pédon, non? Bon Dieu m'a demandé de vous faire intéressant, non?
Quand bagage c'est la fin non mais on peut témoigner. Puis quand on chez pas de bagage là va arriver non. Quand les bagages c'est la fin non mais on peut témoigner. Élisabeth fait 6 mois cachée parce que petite n'a pas coulé mal. Il va avoir un signal de Dieu. Quand il y a un monde qui perd la bénédiction de Dieu, il y a un Dieu qui est trop, il y a le palais, il y a le prononcer. Ton, ça, bon Dieu, fin d'où la fin arrive. Ton manger à fin cuite, ou à demander pour préparer couvert. Mais pendant manger, il va continuer à faire, pas qu'on prépare couvert. La paix, bon Dieu, avec. Elisabeth a le cachet, Elisabeth a obtenu un signal. Que mon cap tende m'la jodia. Bon Dieu, bon signal, l'attendait. Bon Dieu, bon signal, là, on n'a pas besoin de paix encore. Pendant Elisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Il a tendu mon nom, c'est quoi l'enventé? Peut-être Elisabeth a dit, m'enceinte, c'est vrai, mais je pas senti aucun mouvement. Je n'ai pas souri, mal dit mon m'enceinte. Mais bon Dieu, attendre que c'est Marie qui vous sait quoi petit dans l'enventé Elisabeth. Matin, assoyez à bon Dieu d'une action pour le fait pour vous entendre. Ça ou est-ce que vous pour même au questionnement, la retirer questionnement, la faire venir toutes nos réalités pour même la paix, bon Dieu, avec la paix, assoyez à ma petite quatre mouns là, Marie, l'en route, la venir. Marie, gon bonne nouvelle, la pote, gloire à Jésus-Christ. Marie, gon solution, la pote dans l'état où là. Marie a retiré ou n'a caché à parce que Marie ou la bon Dieu l'en route pour le voir pour même matin. Son enfant tressaillit dans son sein. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. La timoun n'a fait tressaillir dans votre lit. Qu'on a rempli du Saint-Esprit. Il a fait face à la réalité. Parce que l'esprit en donne, qu'on y a. L'idiom, il a une capacité en donne. Mais ça est beaucoup plus intéressant. Dans le verset suivant, dans le verset 42, il dit Élisabeth s'écria d'une voix forte. Tu es béni, s'écria d'une voix forte. Si la Bible prend soin pour le dire, Élisabeth s'écria d'une voix forte, c'est que Élisabeth était une personne réservée. Il était qu'on parlait doucement, il était qu'on parlait en cachette, mais le Saint-Esprit en grand dol, il n'y a pas un choix qu'on y a, parce que cet esprit ravagé, c'est pour le parler, pour enlever tout l'esprit de timidité, tout l'esprit en cachette. Un voisin en mettant des affaires gardées, voisine en mettant des affaires gardées. Je dis, j'ai la foi au chapitre. Moi, je parle pour Montréal, moi, je parle pour Haïti, parce que Saint-Esprit en homme, la puissance en homme, m'a paix encore, m'a parlé en cachette encore, m'a parlé en dans chambre encore, m'a crié d'une voix forte, parce que l'esprit, bon, comme on a soya, cap dit ça ensemble avec moi, je dis, ne qu'on passe en cachette, m'a parlé en cachette encore, parce que l'esprit a en homme. L'esprit en homme. Mais c'est quelqu'un qui croit que l'esprit en homme. L'esprit en homme. L'esprit en homme. De qu'on a l'en caché, m'a l'en caché encore. De qu'on parle, un petit Jean, non, mouchoir, m'a parlé dans mouchoir encore. Je dis à bon Dieu, bonne parole. Ma prophétise sous, je dis à bon Dieu, bonne parole. Que on pas besoin de casser encore. Depuis ce monde qui a menacé, pas qu'à faire gloire à Jésus. Qui me sortit l'esprit, bon Dieu, là, dans la salle, là, je dis à pour le retirer dans le caché, retirer dans le palais bas, retirer dans ce. Se cria d'une voix forte. Tu es béni entre les femmes. Et le fruit de ton sein est béni. Se cria d'une voix forte. Vous avez besoin pour faire le monde connaître que l'esprit mon Dieu en dedans. Parce que dans l'esprit mon Dieu en dedans, on va être timide encore. Dans 2 Timothée 1er, dans le verset 7, mettez-moi. Comme garder mon trou, l'esprit de timidité fait en pile monde pas fonctionner. Et l'esprit de timidité vient du diable, il va venir de Dieu. L'esprit de timidité, mais l'esprit de peur tellement puissant, bon Dieu remplace le par 3 autres esprits. Depuis qu'il a qu'on seul l'esprit, bon Dieu remplace le par 3 autres. Parce que l'esprit ça, il est dessus en pile monde. C'est lui aurait l'esprit de peur. Il dit ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Seul l'esprit de timidité, ça prend 3 autres esprits pour remplacer. Ça fait asseoir. Par contre, ça fait peur. Mais fais face à la réalité de la peur. Prends force en main. L'esprit avec mon esprit de force.
dis avec mon esprit de force. Depuis ce monde qui peur là, je dis à bon Dieu, bon force, pour qu'il fasse face à la réalité de la vie. Est-ce que mon gars avec moi la soirée? Dans mes Facebook avec moi, YouTube avec moi, parce que je sens que les gens qui sont là manqué avec moi à soi. Depuis ce monde qui sent ou peur à soi, je relâche l'esprit de force dans vous-même. Depuis ce monde qui sent timide à soi, je relâche l'esprit de force en vous-même. C'est pour faire face à sa campée devant. Là, la paix, bon Dieu, à faire. Dis amen avec moi à soi. Non, dis amen avec moi à soi. Dans mon Dieu, amen avec moi. Facebook, dis amen avec moi. YouTube, dis amen avec moi à soi. La paix, bon Dieu, à faire. Dis avec moi l'esprit de force. Dis l'esprit de force, dis l'esprit d'amour et l'esprit de sagesse. Et bien mon Dieu, effacez l'esprit de timidité, effacez l'esprit de peur, je dis, ou pour la caille ou l'autre monde, je dis, pour faire face avec la réalité de la vie. Parce que mon Dieu, je vais être dans l'état sans encore, je vais être dans la condition sans encore. L'air va avancer sous moi. Jésus-Christ dit, monsieur, si tu peux. Jésus-Christ dit, monsieur, besoin pour croire seulement. Car tout est possible à celui qui croit. Ou quand on peut longtemps, il croit, quand toute bagaille qui arrive, ou besoin de croire, je tiens. Ou besoin, ou quand on peut en position, que toute bagaille qui arrive, ou besoin de croire, je tiens. En dans le place où il y a. Dans 120-85 boulevard l'ancien et ou même cap coûte quel que soit moyen radio, Facebook, YouTube ou téléphone ou que besoin pour quoi là ou l'on territoire que toute bagaille qui arrive ou l'on territoire que toute bagaille qui accompli ou besoin pour quoi là la paix mon chavel ou l'on zone ou l'on place que n'importe bagaille capable arriver je dis ou que me dis avec moi moi croire à soi dis avec moi croire à soi. Dis avec moi, je crois à soi. Ou besoin de croire à soi. Ou non place. Alléluia. Ou non place que n'importe bagaille qui arrive à soi. Ou besoin pour croire. Ou en bas, ou autorité de puissance du Saint-Esprit. C'est quoi ou besoin de croire à soi. Dis avec moi la foi. Dis avec moi la foi. Ça là. Dis avec moi la foi. Que mon Dieu a beau quelque chose, attendez. Bon Dieu, investi quelque chose dans vous, attendez. Dans la quatrième soirée, ça a soi. Bon Dieu, a déposé quelque chose dans la vie, attendez. Par contre, si le spirituel, par contre, si le matériel, par contre, si le social, même si bon Dieu, absolument dans le ciel, là, qu'on y a, dans l'entrepôt, là, la fait distribution selon besoin, selon gens qui nécessitent. Est-ce qu'on veut prendre la main, bon Dieu, à soi? Est-ce qu'on veut prendre la main, bon Dieu, à soi? Dans Isaïe 59, dans le verset 1er, il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. À matin, joignez main ou main, bon Dieu. Pas quitter, bon Dieu, allez. Dis le Seigneur Tout-Puissant, fais quelque chose, là, papa, santé. Dis, bon Dieu, fais quelque chose pour moi, qu'on y a. Ah, sortez, bon Dieu, dans la salle, là, oui. Je dis l'esprit bon Dieu dans ça. Je dis bon Dieu dans ça là oui. Non, l'esprit pas capable de mentir. Le Saint-Esprit 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 pas capable. Il va pas dire là pour pas rien qui fait à soi. Il gros bagarre qui fait dans YouTube. Gros bagarre qui fait dans Facebook. Fait là, pas rien à faire si vous êtes capable de nous asseoir. Est-ce que vous croyez vous-même? Jésus-Christ lui retourne la balle. Pas mettre ça sous dos, mettre ça sous dos. Parce que je viens avec toute capacité pour me guérir, pour me délivrer. La paix, bon Javert. Pas rendre Jésus-Christ responsable des situations. C'est non même une situation. Si la situation n'est pas que j'aime résoudre, c'est faute. Si vous n'avez pas de jambes qui guérissent, c'est faute. Si vous n'avez pas de jambes qui enceintes, c'est faute. Si vous n'avez pas de jambes qui guérissent papier immigration, c'est faute. Pas la gueule, non, mais mon Dieu. Ou pas croire pour que mon Dieu est capable de faire Josia. Dis amen avec moi, soeur. Bon Dieu, responsable état. Il va responsable condition, c'est vous-même, Josia. Bon Dieu, attend qu'il y a beaucoup. Bon Dieu, attend qu'il y a beaucoup. Ah, non, 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 non. Non, 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 non
Assois avec moi la bien-aimée. Dans Hébreux chapitre 11, dans le verset 6. Hébreux chapitre 11, dans le verset 6, il dit qu'il y a une rémunération pour les gens qui croient. Bon Dieu voulait payer. Il dit qu'il est impossible. Ah, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est l'énumérateur de celui qui le cherche. Je dis, en compte chaque passé, bon Dieu prêt pour le rémunérer parce qu'on vit dans la présence. Je ne sais pas mon bon Dieu comme ça, non. Je ne sais pas mon bon Dieu comme ça. Il rémunère parce que chercher là, lui rémunérer parce que ma la prière, gloire à Jésus-Christ. Bah que j'aime mon Dieu comme ça, lui rémunérer parce que ma jeûne, lui rémunérer parce que ma présence. Je dis à rémunération, c'est pour la prière reproductif, c'est pour jeûne reproductif, c'est pour temps de consécration yo, ou rémunérer pour yo pas ouais pas vous t'es pas. C'est pas tant t'as perdu, c'est pas bêtise ou t'as bêtisé. Les romandeo, ça la prière ici lou. Voici la prière à Bambisita. Les romandés ont la prière à Itilou. Voici la prière à Bamb Travail. La prière à Bamb Papier Immigration. Jésus rémunéré en bas. Côté m'bat qu'à arriver, le femme rivé. Ça m'bat qu'à que mon capitaine pour pas le mal pour nous ça la prière là ici lou ça vient l'église là ici lou ça chante dans chorale là ici lou ça joue musique là ici lou ou a dit non il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent et puis commencez à citer sa bon Dieu fait pour même. Comment se dit ça, bon Dieu fait? Mais est-ce que les gens qui croient que bon Dieu a rémunéré? Dis avec moi rémunération. Dis avec moi rémunération. Dis grenier m'pral plein à soi. Rémunération. L'évangile l'a fait moins. Bon Dieu paye déjà moi-même. Par contre, pour moi-même, bon Dieu paye déjà. Bon Dieu paye la prière paye déjà. Attendez. Jeune paye déjà. La paix, bon Dieu, avec. Par contre, pour rouge, cherchez bon Dieu, me touchez déjà. Attendez. Vous connaissez, moi qui parle avec vous là, c'est sous bonus, moi. Ça pour me jeune, c'est sous bonus, moi. La paix, bon Dieu, avec. Et que le bon Dieu paye bonus non plus que paye là. La paix, bon Dieu, avec. Bon Dieu, bye bon instant plus que paix là. D'ailleurs, mon bye bon Dieu, gloire bon instant, moi je dis. Dis bon Dieu, paye-moi déjà. Bon Dieu, paye-moi déjà. Bon Dieu, paye-moi déjà. Dis amen avec moi, soit. Non, dis avec moi. Dis bon Dieu, paye-moi déjà. De ceux qui le cherchent, le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Jésus-Christ dit, monsieur, si tu peux. Jésus-Christ dit, c'est quoi, pourquoi, oui? Et puis là, Jésus-Christ dit, monsieur, c'est quoi, pourquoi? Instantanément, monsieur dit, oui, quoi? Gloire à Jésus-Christ. C'est la foi instantanée. C'est la foi instantanée. Est-ce que quoi, bon Dieu, qu'a fait un dépôt, non, aujourd'hui, là? On dépose la foi pour s'accamper devant la carte déplacée, la paix, bon Dieu. Dis avec moi, ensemble, oui, moi, quoi? Gloire à Jésus-Christ. Comme on a un problème à soi là, qui a une situation qui est devant. Et pour dire, mon Dieu, est-ce qu'on est capable? Mon Dieu dit, non, ce n'est pas demander ou même capable de demander. Mon Dieu dit, mais est-ce qu'on croit ou même? Dans mes Facebook, YouTube, Radio Emmanuel, maison de prière qui est ensemble avec moi. N'a dit, mon Dieu, oui, nous croyons. Gloire à Jésus, oui, nous croyons. Dis, mon Dieu, ça dit, oui, nous croyons. Gloire, 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 gloire. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Pendant que tu dis oui ou quoi, écoulement de sang à camper. Pendant que tu dis oui ou quoi, bon Dieu a fait un miracle pour même Jésus. Le même on a dit oui ou quoi. Ah, c'est le monde qui croit à soi. Est-ce que quoi pendant que tu crois, problème on résout. Bye bye, blague, Kounia là. Pendant que tu crois,
ça l'homme bat qu'a fait pour bon Dieu faire le coup. Ah, démon ici qui bat qu'a chassé. You simple croix, nègre la croix, il délivre, je dis à gloire à Jésus-Christ. Ça l'a prié l'homme bat qu'a fait à la foi ou fait le matin à soi. Gloria, quand c'était qu'un échec à ma. Moi quoi, aussitôt, monsieur dit, moi quoi. Et puis Jésus-Christ dit, des morts sous et bien, sort et ne rentre plus. Aussitôt, monsieur dit, moi quoi. Jésus-Christ dit, des morts sous et mieux sort et ne rentre plus. Il y a une forme d'instantanéité qui existait entre les monsieur dit le croire avec les démons chassés. C'est ça, bon Dieu t'attend dans la bouche, monsieur. Comme un monde qui croit qu'il y a soi. D'ailleurs, moi, levé, campé debout. D'ailleurs, moi, levé, campé, mettez-vous debout. Si vous écoutez, quelle que soit la façon que vous écoutez, que vous pas dans la salle là, mettez-vous campé debout. Je suis dans l'esprit d'instantanéité de la puissance de Dieu. Pendant à parler à bon Dieu, pendant à parler à bon Dieu, à faire action pour vous. Est-ce que vous croyez ça? Songez ça, me dit. C'est croire besoin pour croire seulement. C'est pas demander pour demander, bon Dieu, est-ce qu'elle est capable? C'est croire pour croire seulement. Pendant à parler à bon Dieu, agir. Est-ce que vous croyez ça, me dit à Kounia? Même Jean, immédiatement, je dis, oui, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et puis là, Jésus-Christ dit, démon, sous eux, bien sort et ne rentre plus. Ou à lever mes sept fois pour dire, bon Dieu, oui, moi crois. Dis avec moi à soi, dis oui, moi crois. Dis ça, dis oui, moi crois. Songez ça, qu'on a besoin qu'on y a. Songez ça, que nous on a pied montagne là. Songez ça, la prière, l'homme, pas qu'à faire pour vous. Parce qu'on a joué plusieurs monde pour prier pour vous. Pasteur, prier pour vous. Apôtre, prier pour vous. Situation aurait été même genre. Songez le Kounia. Et puis troisième fois, levez mes relais, dis oui, moi quoi. Quatrième fois, dis oui, moi quoi. Cinquième fois, dis oui, moi quoi. Sixième fois, dis oui, moi quoi. Et sur septième fois, à soi, on va le déclarer avec conviction, moi quoi. Pendant qu'on va faire déclaration, ça. Et c'est comme ça. Instantanément, ça va demander bon Dieu à la privée à l'exécution. Instantanément, ça va chercher l'homme mon Dieu à jeune Nikounia. Instantanément, démon bralé. Instantanément, maladie a guéri. Instantanément, papier immigration a vint joindre. Instantanément, petite table en ventre. Instantanément, ou jeune mariage là. Instantanément, ça a besoin. Ou abjouen ni kounye a. D'ailleurs, mon levé main une dernière fois. Dis oui, moi quoi.
Tout son verset défi pour tout l'audio, la nature ouverte, la vie confirmée. Pour même yon seconde, puis yon passé, c'est où, mon Dieu? Déposez offrande de Kounia. Cherchez offrande de Kounia. Ou même qui sur Facebook, qui sur YouTube, qui sur Radio Emmanuel, qui sur téléphone. Il va y offrande par la foi. Pour encourager ce qu'a fait là, je veux dire. Pour permettre que l'évangile prêche comme il faut. Sur Facebook ou sur YouTube, je dis, il y a une indication qui sur l'écran. Ou à Kababa et contribution avec indication qui sous écran. Je m'a demandé pour capable bénir Radio Emmanuel pour ces 7 ans que depuis là accompagné et que bon Dieu bénisse au travers ce channel, bénir aussi à la gloire de Dieu. Pendant m'a demandé pour avancer, venir déposer offrande. Ou venir déposer offrande. Dans Facebook, dans YouTube, dans Radio Emmanuel, pendant que nous-mêmes qui l'a approché, nous déposer offrande à la gloire de Dieu. Venez. Venez bénir, ministère ça, que bon Dieu mettait pour nous-mêmes, pour le bénir. Venez bénir, ministère ça. Est en cours, Seigneur Jésus. Tout ça fait ses défis pour tout l'audio. La nature pouvait la vie confirmée. Pas jamais. Pendant que mon cap pote offrande yo, pas que mon acte en pote offrande la ville by bon Dieu. Ou bien cap kouten sur Facebook, sur YouTube, qui t'en remet by bon Dieu la vie. C'est plus belle offrande que t'es capable by bon Dieu. La vie yo. Son offrande cap récolter pour l'éternité. Alors sur Facebook ou sur YouTube, vous voulez by bon Dieu la vie yo, m'a demandé yo. Pour capable texter dans 514 402-5135, texter conversion. Et puis il y a des gens qui relè après pour prier ensemble avec vous, sous besoin d'aide. 514-402-5135. Et si vous là, vous pouvez bailler bon Dieu la vie aussi. Vous pouvez approcher, vous bailler bon Dieu la vie. Approchez. Et c'est une belle offrande. Dernièrement, voilà avec conviction ça ajoute ya, parce qu'on croit. Bon Dieu fait à l'instant pour. M'attend au témoignage de merci Dieu de ça bon Dieu fait à soi. En nous bail bon Dieu encore applaudissement. Bail bon Dieu un plus grand applaudissement que ça. Moi béni à soi, moi béni. Pendant que je demande de chanter, je peux venir chanter cantique, pas de temps pour le Seigneur Jésus-Christ. Je suis béni. Demain matin, si je vais 6 heures, je vais rencontrer encore. 6 heures, je vais rencontrer. Amen. Et puis demain soir encore, 7 heures PM, je vais là, à la gloire de Dieu. Que bon Dieu béni. Passons très bonne nuit dans la présence de Dieu. Pendant que je chante, pas de temps pour le Seigneur Jésus. Tout son fait ses défis pour tout l'autre. La nature pouvait. La vie confirmée.
Hey!